John, this will never work. John, this will never work. It's a sweet little tin can. This will never work. It's a sweet little tin can. This will never work. Never work. Tin can. This will never work. Never work. Tin can. Never work. No way. Never work. Surely we'll be defeated. It's impossible. No chance to win. We'll be defeated. It's impossible. What's happening here? I can't believe it. It's impossible. Oh, the mini steps is for my own step. One step possible. No chance. One step possible. No chance to win. One step possible. Small chance leads to victory. Small chances. This will never work. This will never work. It will never work. This will never work. C'était il y a plus de 60 ans que ces petites mini ont gagné le Monte Carlo, trois fois d'affilée. Alors j'ai pas la prétention de me comparer à John Cooper et surtout à ses techniciens qui ont fait le plus gros du boulot. 60 ans après, le monde a évolué, mais j'aime bien me dire qu'on partage un peu la même passion. J'ai vécu un peu les mêmes choses que ces mecs là, à galérer les soirs, à suer, saigner sur ses bagnoles pour essayer de les faire gagner face à la concurrence. Et c'est ça qui est fou. Le monde change, mais la passion reste la même au final sur ces voitures. Et c'est ça qui fait plaisir. Et c'est un peu de ça que ça va traiter aujourd'hui dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on va retourner au Mosquitos Drag Race. Donc on avait fait l'édition en juin, comme tu as pu le voir. Si tu débarques ici un peu par hasard, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur la chaîne de Mécatechnique. Celle-là aussi te renverra à d'autres vidéos qui traitent plus de la préparation, si ça t'intéresse. Donc on retourne au Mosquitos. Pour rappel, la dernière fois, j'avais détruit le joint de culasse. Donc là, je vais te montrer un peu les étapes de comment je vais faire pour réparer ce souci. Et les diverses évolutions qu'on va faire sur la voiture pour lui permettre d'être fiable, surtout avant tout, et performante aussi. Bon, suite au joint de culasse, j'ai passé un peu de temps à investiguer dessus. Le problème que j'ai, c'est que je pourrais installer un joint de culasse de meilleure qualité, mais le problème, c'est que ça n'existe pas. J'ai pris une solution un peu extrême, et je vais te montrer pourquoi. C'est qu'en fait, je vais venir détourner l'eau et la faire passer à l'extérieur du bloc. Le problème qu'on a, c'est que la pompe à eau et la sortie, en fait, elles sont du même côté. Et l'eau, elle est feignante, elle va au plus simple. Donc plutôt de faire tout le tour du moteur pour venir tout refroidir, en fait, elle vient juste passer au niveau des conduits des deux premiers cylindres et t'as un cycle. Et là, en fait, t'as pratiquement pas de mouvement d'eau, en fait. Ça bouge pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, le cylindre en général 3 et 4 chauffe plus sur ce type de bloc que sur le 1 et le 2. Pour résoudre ce problème, là, je suis venu modifier le bloc, on verra, là. Donc je suis venu, en fait, boucher totalement les conduites d'eau sur le bloc et sur la culasse. Donc là, en fait, l'eau va devoir faire un circuit, passer par l'extérieur, revenir dans la culasse et être refroidie par le radiateur. J'en ai profité aussi pour modifier la culasse. Là, ici, en fait, tu peux voir à la base, il y avait tous les passages d'eau. Donc je suis venu tout percer, tarauder, mettre des vis et ensuite je l'ai fait rectifier chez mon collègue là. Donc là, on a une surface parfaitement plate. Donc plus de passages d'eau entre la culasse et le bloc sur le plan de joint. Ensuite, je suis venu percer donc le côté ici, là, tu vois, et alésé pour faire le piquetage pour que l'eau puisse circuler jusqu'à la culasse. Et ensuite, elle pourra ressortir directement au niveau du calorstock comme standard. J'ai aussi fait un nouveau perçage sur le côté ici, là, un petit lamage pour venir mettre une autre sonde de température d'eau. Et là, normalement, il n'y a plus qu'à la réassembler et on sera pas mal. Comme je l'ai montré, donc je suis venu relier le haut de la culasse là, avec le bas du bloc pour qu'il y ait un transfert d'eau. Donc j'ai fait des petits coups dans l'inox là. Bon, on a fait la culasse, on a vu pour les modifications. Maintenant, on va se mettre un peu sur la perfo. Donc je vais refaire une nouvelle pipe d'admission. Donc c'est la troisième, comme tu as peut-être pu le voir. Donc là, c'est le garage BMC qui me l'a offert. Je suis content là. En même temps, je n'ai jamais payé pour une pipe, donc c'est toujours agréable. Celle-là, on va la modifier. Il y a deux injecteurs de base. Donc on va venir modifier, donc couper ici et rajouter des bribes pour mettre quatre injecteurs. Donc grosse session usinage. Qu'est-ce qu'il veut? J'aurais besoin que tu me fasses une pipe. Très belle pipe. C'est combien? Paye-moi grec, donne-moi kebab. Ah, ouais, bon Dieu. J'en ai marre, en vrai, on peut pas avoir un vrai atelier là. Thank you.
pas sauté très haut. Il me restera plus qu'à baisser les poteaux là. J'ai dû refaire cette partie de collecteur là qui venait toucher la nouvelle pipe. Bon, on n'est plus à ça près, j'ai envie de te dire. Hein. Donc là, Ovid va devoir le souder, on n'a rien pour inerter. Tu me casses les couilles, hein. Ça commence pas, on est sur une chaîne respectable ici. On n'a pas pu être dentiste. J'ai fini de tout remonter, j'ai galéré comme un chien, il a fallu ressouder ça aussi là, que ça tombait plus en face avec la pipe, enfin bref. Je suis pas ultra satisfait là, du montage, il y en a un peu de partout là, j'ai pas eu le temps de tout faire passer propre, je pense que je passerai l'hiver à mon avis à tout bien recheminer, je voulais juste que ça soit fonctionnel pour la course. Donc là on va essayer de la remettre en route, à mon avis ça va être un peu galère avec le vieil éthanol, on va voir. Puis tester surtout si la culasse marche là, avec s'il n'y a pas de fuite avec ce nouveau montage. Allez, c'est parti. Et bah ça tourne vachement mieux qu'avant. Je suis allé faire un tour vu qu'on peut plus trop filmer maintenant les engins exotiques sur la route. Et j'ai carrément gagné à bas régime en fait. Le fait que la pipe soit un peu plus longue avec des conduits droits, ça marche carrément mieux à bas. J'ai pas gagné en haut forcément parce que la pipe était pas bridante avant. Donc ça c'est une bonne chose. Sinon tout fonctionne. J'en ai profité, je l'ai pas dit en vidéo là, mais j'ai installé en fait un capteur sur la pédale d'embrayage pour faire ce qu'on appelle le flat shift. En fait, je vais pouvoir passer mes vitesses maintenant quand je suis à fond en drag ou même sur la route. Je peux passer les vitesses sans relâcher l'accélérateur en fait. T'as une coupure qui va se produire de l'allumage et ça va éviter que la pression de turbo descende en fait. Donc on maintient la pression de turbo et ça évite d'avoir ce creux comme j'ai pu l'avoir si tu l'as vu sur les vidéos. Bref, la caisse est prête, elle est pas parfaite, tu vois, il y a pas mal de fils qui passent et tout. J'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu avec le temps. Mais je vois, à mon avis, je la reprendrai cet hiver et ça sera mieux. Donc là, prête pour le mosquito, c'est dans un jour. Donc je vais la charger sur le plateau, faire les bagages et c'est parti. Est-ce que ça va passer, là? T'embourbe pas, s'il te plaît. Là, le chantier. La terre est argileuse. Oh là, ils ont calé leur truc. Oh non, hein, s'ils ont pris notre place, c'est la bagarre. On est venu avec la Mini sur la piste, on est arrivé hier soir avec Ovid, ça a été ultra galère, on s'est embourbé avec le camion. On a pris la décision stratégique de dormir dans un Airbnb, la dernière fois on avait dormi à l'extérieur avec des séquelles, beaucoup d'humidité. Donc là j'ai passé le contrôle, on va pouvoir commencer à faire les premières courses après le briefing, après ça part.
Deuxième journée au Mosquito, ça a bien roulé hier. Pas eu de soucis particuliers, hormis à la fin, là, sur les derniers runs contre la Mini, là. J'ai l'admission qui s'est décollée, là. J'avais pas forcément le bon collier, j'ai réparé comme j'ai pu, ça tient bien. Donc là, on va continuer aujourd'hui avec le temps estival magnifique, là. Et j'en ai pas parlé hier, mais le but du jeu, en fait, ici, c'est que c'est pas une course celui qui gagne, celui qui arrive le plus vite, forcément, mais il joue au jeu des 1000. Donc, en fait, le but du jeu, c'est d'arriver à gérer son run pour arriver à 1000, et c'est ce que j'ai fait hier, en mode low boost. Faire la revanche contre la Mini, que c'est la toute première course que j'avais faite la dernière fois. Donc j'espère que ça a marché cette fois. J'ai mis toutes les chances de mon côté, la carto est full boost. On va voir ce que ça donne. Comme tu as pu le voir, ça n'a pas été un succès en termes de perfo. Ça tient à plusieurs choses. C'est que déjà, j'ai été assez con pour essayer de faire le jeu des 1000. C'est-à-dire, comme tu as pu le voir, je ne sais pas si tu as bien compris, on te donne un ticket comme ça, en fait, quand tu as fini ta course. On va t'indiquer dessus ta vitesse à laquelle tu es arrivé, en gros, et le temps que tu as mis à parcourir les 300 mètres. Et ça, en fait, tu les multiplies, ces deux valeurs. Et le but du jeu, c'est de te rapprocher des 1000. Donc le mec qui est le plus proche de 1000 gagne la coupe, concrètement. C'est comme ça que tu gagnes. C'est assez intéressant parce que ça permet à des petites bagnoles de gagner plutôt que ça soit vraiment le score le plus haut. J'ai été con, en fait. J'ai voulu faire ça absolument tout le week-end. J'étais omnubilé. Donc j'ai roulé les trois quarts du temps complètement bridé avec la voiture à 0,9 bar plutôt que de profiter, en fait. Et au final, ça m'a bien desservi parce que je n'y suis même pas arrivé, quoi. J'ai fait un score honnête, mais bon, pas suffisamment. Donc c'est une bonne leçon d'humilité là-dessus. Et la piste était complètement détrempée, changement d'adhérence. J'ai pas réussi à mettre la puissance. En fait, j'ai fait un léger meilleur score que la dernière fois avec une piste sèche. Mais bon, pas de miracle, quoi. Ça reste une Mini.
avec des petits pneus, un petit moteur au final, un 1500cc, et tu peux pas les concurrencer les gros du quartier avec leur gros 2 litres turbo, ça c'est pas possible. Et c'est pas sa faute à elle, moi je l'ai pas conçu pour faire du drag race, je l'ai conçu pour aller taper des routes sinueuses de montagne ou aller sur circuit. C'est pour ça qu'elle a été conçue. C'est pas une excuse que j'essaye de te donner, c'est juste un constat en fait. Que malheureusement, cette caisse, elle sera jamais performante pour aller gratter les gros sur du drag. Donc on arrive un peu au bout de cette aventure. C'était une grosse année de boulot avec cette voiture, puis surtout avec Covid qui m'a beaucoup aidé. Où j'ai pu rencontrer plein de personnes et franchement c'était génial. J'ai aidé le partager aussi, j'ai aimé le partager avec vous. C'était sympa de rencontrer pas mal de gens qui connaissent cette voiture et je suis content que ce projet ait pu aboutir en fait. Ça c'est une bonne chose. C'est surtout grâce à mon sponsor Mécatechnik. Concrètement, j'aurais pas pu le faire aussi rapidement si on m'avait pas aidé sur les pièces. Ce qui nous amène un peu au sujet suivant, c'est que la fin d'un projet, c'est un peu le début d'un nouveau. Donc aujourd'hui, ce que je te propose, si ça t'intéresse, ce que j'aimerais faire, c'est prendre une sportive française des années 70 et la préparer pour des courses d'accélération, mais pas que. Faire aussi du rallye historique. Si ça t'intéresse de voir ce genre de projet, voir un montage style mini avec pas mal d'usinage de pièces, surtout de la débrouille, essayer de faire un boulot bien fait avec les moyens du bord, je t'invite à commenter cette vidéo, me dire comment t'aimerais peut-être le voir, si tu connais la voiture déjà aussi, à mon avis, c'est pas bien compliqué. Et tout simplement t'abonner et aimer. Moi, ça m'aide derrière à avoir des billes pour avancer et prouver que ça intéresse des gens. Et ça m'apporte du soutien, du sponsoring, tout simplement. On est dans un monde mercantile, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je te demanderai pas d'argent pour une cagnotte. Garde tes sous pour tes gamins ou ta famille. Je vais pas aller te ponctionner de l'argent pour faire ma voiture. Ça a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens pour moi. Donc tu sais tout. Donc semaine prochaine, on se retrouve pour la Golf, qui est finie aussi, dernier épisode. Et puis, on se retrouvera bientôt pour le salon aussi Époque Auto. Je serai présent avec la Golf. On en parlera mieux dans la prochaine vidéo. À bientôt.